Flûte de Pan, tambour celtique. Durant une semaine, le musicien Michel Bulot est en résidence à l'établissement public de santé mentale de Saint-Venant dans le Pas-de-Calais. C'est une idée de l'association Tournesol qui organise des résidences d'artistes en milieu hospitalier. Une découverte d'Alain Méry et de Gondran Giraudot. Une boîte à tonnerre dans l'établissement de santé mentale de Saint-Venant, ça détonne. Comme ces 150 instruments venus des quatre coins du monde. De quoi étonner les patients du service psychiatrique, d'autant qu'Eric l'infirmier se transforme en guide de l'exposition. On a tendu une peau et on vient entrer en percussion avec les mains ou alors avec... Et que l'exposition, elle, se transforme en concert. La musique, c'est vraiment quelque chose de magnifique parce que l'impact est immédiat chez le patient et on va pouvoir ensuite retravailler sur le vécu émotionnel, sur le vécu de le ressenti, quoi. Par exemple, une personne se rappeler une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus loin même. Se rappeler la manifestation, c'est aussi travailler sur la mémoire. De la corne médiévale au bouzouki, durant une semaine, Serge Bulot, un musicien professionnel, intervient dans l'établissement de santé mentale de Saint-Venant. Une idée de l'association Tournesol qui veut amener l'art à l'hôpital. C'est un public qui, de par aussi les pathologies qui sont présentes ici, est souvent assez exclu de la culture classique. Et nous, ça nous intéresse de faire exister l'art ailleurs que dans les lieux consacrés. Ça me donne envie d'essayer. Si par exemple je ferai des voyages, vous trouvez des instruments, ça me permettrait d'essayer quelques instruments. De la musique pour soigner le cœur et l'esprit. En 2007, l'association Tournesol est intervenue une trentaine de fois dans différents hôpitaux de la région. Un mot de football pour vous aussi.